Princesse Estek Amatari, bonjour. Bonjour, très chère Carole. Merci de nous recevoir dans ce prestigieux lieu. Merci d'avoir initié cette rencontre, cette conversation. Nous sommes dans le salon de Monsieur Guerlain. Absolument, nous sommes dans un lieu mythique. Alors, on ne vous présente plus, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons le plaisir d'être ici, c'est que vous êtes ambassadrice de Guerlain, de la maison Guerlain, après avoir occupé des postes à responsabilité. Vous êtes née dans le pouvoir, vous avez grandi dans le pouvoir, vous l'avez exercé, aussi vous avez représenté la beauté noire sur toutes les scènes internationales, et vous étiez, je rappelle, le premier mannequin noir de France. Oui. Donc dites-moi, Estek Amatari, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Quelle est votre signification du mot pouvoir? Alors, si on cherche simplement à la signification comme ça du pouvoir, c'est une action qu'on exerce sur une population, sur plusieurs personnes. Mais en fait, pour moi, le pouvoir, je suis née dedans. Je ne me pose pas la question de savoir si j'ai le pouvoir ou pas. Moi, je suis née dans le pouvoir et pas hier. C'est-à-dire que dans ma famille, sur plusieurs générations, on était dans le pouvoir. L'histoire du Burundi, malgré ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même 5 siècles avec la même famille. Donc, je suis née dedans. Aujourd'hui, ma famille a perdu le pouvoir politique et moi j'ai gardé le pouvoir humain. Et c'est ce pouvoir-là qui, à mon avis, est le plus intéressant. Et comment cela se traduit-il justement dans votre vie personnelle mais aussi votre vie professionnelle? Alors, je vous donne un exemple pas plus tard qu'hier. Je suis dans un grand magasin et je croise une jeune femme noire qui était orange. Je ne la connais pas. Et elle n'était vraiment pas belle. Ce n'était pas son avantage. Ça, c'est dans ma vie du quotidien. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'adresser à elle, de la conseiller et de la détourner et de lui dire, de la rendre mieux. Donc, mon rôle, c'était, voilà, dans mon quotidien, c'est que j'ai envie d'être entourée de beauté, de bonté. Et je crois que c'était justement ce pouvoir dont on parlait, qui est extrêmement exigeant, qu'il faut donner beaucoup d'éducation, etc. Pour moi, c'était important de la rendre belle, de la rendre fière. Voilà. La générosité, c'est aussi une forme de pouvoir. Absolument. Je crois que la générosité, c'est une forme de pouvoir. Mais je crois que le vrai pouvoir, c'est l'éducation. En tous les cas, c'est la clé pour avoir accès au pouvoir, c'est forcément l'éducation. Est-ce que vous diriez que le pouvoir, il s'exerce différemment selon si on est un homme ou une femme? Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'exercice du pouvoir soit différent selon les sexes, qu'on soit un homme ou une femme, c'est plutôt les valeurs. Alors, je veux encore un exemple, parce que j'adore les exemples. J'ai une grand-mère qui s'appelait la reine Ririkomotima. Elle a eu la régence pendant plusieurs années au Burundi. C'était une femme dans un pays en Afrique, alors qu'on dit qu'ils sont des pays machos, où il y a beaucoup d'hommes. Et à tel point qu'aujourd'hui, on ne peut même pas prononcer son nom, parce qu'on aurait peur qu'elle revienne. Donc, il n'y a pas de différence entre l'exercice du pouvoir d'un homme et une femme. C'est une question de valeur. Et on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir, ont dû sacrifier quelque chose. Si on reprend l'exemple de votre grand-mère ou votre exemple, est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou finalement non, c'est pas plus que ça? Mais je crois que les hommes aussi doivent sacrifier aujourd'hui, mais je pense qu'il y a, énormément de changements dans les mentalités. Aujourd'hui, on s'en rend compte que les femmes ont des enfants beaucoup plus tard, que les choses sont organisées pour leur vie de famille en tous les cas, que les hommes participent à l'éducation de leurs enfants. Donc je pense que l'époque a changé. Mais peut-être que le mot sacrifice est un peu violent. Je crois qu'il faut plutôt être déterminé. Quand on est déterminé à obtenir quelque chose, on met tous les moyens, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Chère princesse, en préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui, à votre sens, symbolise le pouvoir, la féminité, mais aussi toutes les valeurs
dont on vient de parler, à savoir la générosité, la beauté, le respect de l'autre, enfin, vous, quoi. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Tout. Parce qu'il n'y a pas un seul objet qui représente le pouvoir. Parce que quand on a une vie aussi remplie que la mienne, vous imaginez bien qu'on n'a pas. Donc, en plus de ça, j'ai répondu absolument ponctuellement à toutes vos questions. Donc, je vais commencer par ce qui me tient le plus à cœur, c'est la beauté. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais de ma vie une transmission de l'art du beau. Parce que c'est vrai. Et puis en plus, on ne doit pas être beaucoup. Mais c'est presque génétique. Mmh. Donc moi, je vous ai apporté une photo de ma grand-mère. Très jolie. Sereine, belle, prestance, élégante, douce, mais en même temps avec un regard, je vous assure qu'avec ce regard-là. C'est sûr. Avec le regard-là, on comprend déjà. La reine Riri Kemoti-Ma. Avec un regard comme ça, on ne peut être que respectueux. C'est sûr. Elle est belle. Hein? Ouais. Une photo qui doit dater de 1828, par là. Donc, Mais merci, en tout cas. C'est avant l'arrivée des selfies. Très bien. Ok. Ok. Ensuite, vous allez voir, ça va vous plaire. C'est un parfum. Parce que le parfum symbolise, c'est vraiment un pouvoir de séduction, c'est une conversation avec l'autre, c'est une signature olfactive, c'est une empreinte, c'est une mémoire, c'est extraordinaire pour la mémoire. Moi j'ai le souvenir, ma mère, quand elle était dans des cérémonies, elle se parfumait et les femmes disaient: vous la voyez? Non, je suis trop petit, je la vois pas, mais je le sens, je la sens. Et donc, pour moi, le parfum, c'est une arme, dans le joli sens du mot, que chaque femme devrait avoir dans le fond de son sac. Et enfin, à propos de pouvoir, le pouvoir, vraiment, c'est les armes, les armoiries. Donc là, j'avais apporté la cire pour vous le mettre en vrai sur une enveloppe, et les armoiries qui représentent mon histoire que je ne quitte pas depuis toujours. Donc, pour moi, c'est réellement le symbole du pouvoir. Bah, très donc, bien. Chacun peut, entre la reine, la mémoire, la signature. Est-ce que vous avez une phrase, une citation, un proverbe, quelque chose qui vous inspire, qui illustre vos propos ou qui détermine votre personnalité ? Oui, j'en ai plusieurs, mais notamment celui dont je vais vous donner la citation, qui pour moi est extrêmement encourageant, surtout pour les jeunes, parce qu'il faut toujours penser qu'il y a une génération, et que cette génération, il faut lui donner confiance pour lui dire qu'elle peut aller encore plus loin, parce que vous avez une lumière, mais en fait, profitez de cette lumière, qui dit que tous les coqs qui chantent, vous voyez les coqs dans la basse cour, tous les coqs qui chantent, avant, c'était des œufs. Donc, tout s'apprend. Donc on revient à l'éducation. Si une petite fille regarde cet entretien et dit « Quand je serai grande, je voudrais être princesse Estée Kamatari », vous lui diriez quoi ? Qu'elle a raison. Elle a raison. Okay. Il y a juste une petite chose que je voudrais dire, c'est que quand on va, que dans une année, il y a 365 jours. Sauf cette année, parce que c'est bissextile, mais ça n'arrive pas souvent. Sur ces 365 jours, il n'y a que deux jours qui sont importantes, les plus importantes, il y en a deux. Celui d'hier, qui ne reviendra jamais.
celui de demain, dont il ne faut pas trop crier parce qu'on ne sait pas encore. Donc, il nous reste celle d'aujourd'hui, dont il faut profiter. Il faut profiter. Donc, justement, on arrive à la fin de cet entretien. Et pour Princesse Estée Kamatari, le pouvoir, c'est la transmission. Merci. Je vous en prie. C'est avec plaisir.